faire 20 enfants guerriers. Il dit, non, mais ça, français, ça ne peut pas être d'accord. Il dit, capable de traduire les faire. Ok, ça, je suis déjà venu, je dis, non. Quand il peut dire n'importe où, capable, il peut redmine et à la connaissance partout. On dit, nous, quelle question là, bien, nous, quelle question là, écoute bien. Question là, qui met là-bas? Où est Allah? Qu'est Allah? Quand nous disons qu'est Allah, est-ce qu'il a qu'est Allah? Il peut comprendre qu'est connaissance Allah? Est-ce qu'il nous peut comprendre qu'est connaissance Allah là? Qui nous peut comprendre là? Qu'est Allah? Qu'est Allah? Allah partout. Raï. Ça, Abdelalim Siddiqui et Al-Hidayah. Qu'est-ce Al-Hidayah? Al-Hidayah, il arrive au quoi à peu près 116, 117. Ça qui sortit, un pamphlet qui sortit. Mais m'a été présenté conjointement par la Jumma Masjid et la World Islamic Mission. Oui, c'est ça même vraie et organisation qui peut représenter Brelwi Jamaat. Oui, à la tête finina, Maulana Nourani, le docteur, il connu. Oui, je tire Al-Hidaya, je ne produis même quelque chose qui Maulana. Ça, quand il y a Abdelalim Siddiqui qui finit dire, Allah est partout. J'ai fumé ça dans la gazette Al-Hidaya et qui finit numéro 18. Je dis où est Allah, Allah est partout. Je rapporte ce qui Abdelalim Siddiqui peut dire. Disons, moi, je mal comprends. Mais je crois, oui, ensemble avec Jum Mamos, avant de prendre ça, de mettre ça dans une fanfare. Je dis, eh bien, attention, non, mais Maulana Abdelalim, il est parti là, il mais je trouve qui mais bizarre pour entendre ça, bizarre mettre ça au clair, et je suis d'accord avec ça. Right. Nous gagnons notre baili, Abdou Shakur, Mohamed Saleh, question-réponse sur Aqila. Tout ce qui, tout mal propté, le prophète Nour, Hazir Nazir, Konreib, tout mal propté est là là-dedans, y compris dans sa même livre-là, passe des, il fait mention où est Allah, il dit Allah lit partout. Alors, oui, moi aussi, pas de comprendre. Les vignes lui disent Allah, place pas appliquée pour lui. Allah, direction pas appliquée pour lui. C'est ok. Mais, Deo Bandi Jamad, je dis Allah partout. Et Karim Mansour, il considère Deo Bandi Jamad comme égaré qui fait parce qu'il m'en a fait dire Allah, Allah partout. Bien bon. Mais quand Deo Bandi Jamad dit Allah partout, est-ce qu'il se dit place appliquée pour Allah? Non. Je aussi quand je peux dire Allah partout, je dis place pas appliquée pour Allah. Allah partout, mais place pas appliquée pour Allah. Je n'ai pas même affaire, alors. Si tu peux dire place pas appliquée pour Allah, mais pas de problème ça. Pour man qui dit Allah partout, pas de problème pour eux quand je dis place pas appliquée pour. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, le gars, un parmi Deo Bandi Khalil Ahmad Sahar al-Puri, il dit Amma al-jiha wa al-makan, fala yajuzu ithbatuhuma lahu. Ne pas gagner le droit de dire, on applique al-jiha, direction, al-makan, place pour Allah. C'est ça qu'il veut dire là. Khalil Ahmad Sahar al-Puri, un Deo Bandi veut dire, ne pas gagner le droit de dire Allah d'une place, ou bien d'une direction. Pas gagner le droit de dire Allah d'une place, d'une direction. Qui vous dit alors, Deo Bandi, qui vous dit droit? Allah lit partout. Pas dire Allah est dans une place, Allah est dans une direction, Allah lit partout. Ok? Vous avez le temps encore, Shabir, pas Shabir Salafi, un autre Shabir Deobandi. Shabir Ahmad Othman, il dit Ouah munazzahoun min kulli makanin wa min kulli jihad. Mais dire Allah est pur de toute place et toute direction. Mais dire place, direction par plis et poil. Alors nous disons, Shabir Deobandi, tu veux dire place. Et direction pas appliquée pour Allah, mais qui nous met à dire concernant Allah, qui nous dit Allah, Allah partout. Donc, même qui nous gagne, nous avons réussi à mener pour dire, Maulana Abdelalim Siddiqui peut dire, place pas appliquée pour Allah. Ok, pas de problème ça. Place pas appliquée pour Allah, parce qu'ils ont, quand ils peuvent dire, place pas appliquée pour Allah, ça dit par contre, dire, je akhida Allah li, Allah li partout. Donc ça, c'est le premier point de mathématiques. Ou arrive, est-ce qu'il y a Brelwi Jamad lié dans sa akida, wahdatul wujud là, ou bien non. Premier, nous disons, Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il y a partout ou bien non. Et ça, c'est le premier point. Deuxième, nous causons concernant le soufisme.
les connus qui de Obandi Jamaat, c'est un groupe qui était un set soufi. Par exemple, un livre, par M. Banliv, par Moulana Ashraf Thanoui, Islamic Tasawuf Sharia en Tariqa. C'est un livre qui, bandé ou bandi, mandat de Jamaat, peut dire qu'ils sont d'accord avec le soufisme. Ok? Dans ce livre, dans la gazette Al-Jam'iyya, qui est tirée par Mufti Miran, il dit le soufisme, c'est une branche d'andine. Okay. Je pose question. Tablique Jamaat, d'accord avec soufisme ou bien non? D'accord. Quand il est d'accord avec soufisme, il est d'accord avec conception des soufisme, de ban soufi, conception de? Ouais, c'est toujours doute. Ok. Mais si nous dire, Brelui Jamaat, d'accord avec soufi, qui n'a arrivé là finalement? Vous êtes supposé d'accord avec Akhida de ban soufi, Akhida de? Brelui Jamaat, alors nous avons un livre, pour ça, un parmi, un livre, qui finit écrire Introduction au Tassawouf par Ashraf Jilani, un PhD, je ne sais pas qui y était. Alors, d'accord avec Soufi, le gars, Sonny Razri, il dit There is no doubt that Sufism is an important branch of Islam. Ça, c'est le deuxième point de réflexion. Tablique Jamaat, il est d'accord avec Soufi. Quand il est d'accord avec Soufi, il est d'accord avec Aqida Soufi, Wahdat al-Wujud. Correct. Indique. Brelwi Jamaat, il est d'accord avec Soufi. Quand il est d'accord avec Soufi, il est supposé d'accord avec Aqida de Van Soufi, Aqida de Wahdat al-Wujud. Ça, c'est une deuxième question. Puis, comment tu es capable, toi, Brelwi Jamaat, tu es d'accord avec Soufisme et tu vas pas être d'accord avec Wahdatul Wujud, c'est contradictoire. Ça, c'est deuxième point de. Deuxième point mathématique. Troisième point, nous avons des grandes personnalités. Nous avons des grandes personnalités qui, je suppose, nous là, dans Abroudoud numéro 4. Abroudoud numéro 4, c'est une cause concernant trois personnalités. Des man. Cause concernant trois personnalités, Ibn Arabi, Jalaluddin Rumi, Al-Ghazali. Tablique Jamaat, il dit, Ibn Arabi, un wali pour Allah qui va nous l'ama de toute l'époque, finit dans grand estime pour lui. C'est ça qui veut dire. Tablique Jamaat, Ibn Arabi, ça c'est un wali Allah qui tout va nous l'ama de toute l'époque, finit dans grand estime pour lui. Correct. Tablique Jamaat, il est d'accord avec Ibn Arabi. Ibn Arabi d'accord avec Wahdat al-Wujud. Mais si je prouve que Brelwi Jamaat d'accord avec Ibn Arabi, quand il est d'accord avec Ibn Arabi, il est supposé être d'accord avec Aqida de Wahdat al-Wujud. Alors, il va venir dire, Brelwi Jamaat concerne Ibn Arabi, le même Cheikh al-Akbar, il y a un plus grand Cheikh ça. Il y a un plus grand Cheikh. Correct? Ibn Arabi. Nous avons Jalaluddin Rumi, un autre malpropre encore. Même affaire, Mufti Miran vient de dire que Jalaluddin Rumi, c'est un wali Allah qui est un ulama de toute l'époque, qui est un grand estime pour lui. Tablique Jamaat, mais d'accord avec qui ça n'a Jalaluddin Rumi. Nous avons Brelwi Jamaat vient de dire concernant Jalaluddin Rumi, lit le plus grand soufi iranien. Et puis, d'accord avec Jalaluddin Rumi. Tablique d'accord avec Jalaluddin Rumi, Jalaluddin Rumi d'accord avec Wahdat al-Wujud. Brelwi Pejali d'accord avec Jalaluddin Rumi, mais Jalaluddin Rumi d'accord avec qui était Aqida Wahdat al-Wujud. Une autre personne, Al-Ghazali, qui se appelle Tablique Jamaat, je dis concernant lui, qui va un salafi, c'est un dernier quelque chose qui est un monde capable de venir, parce que je peux considérer Ghazali égaré. Cause que nous, salafis, nous considérons Ghazali égaré, nous avons une dernière chose qui existe dans la terre. Mais Tablique Jamaat Pejaha, Mufti Miran. Et le gars, Karim Mansour, quand il peut cause concernant Ben Ali Medine et Wali Allah Kamil, il dit, parmi les noms qu'il fait citer, c'est Al-Ghazali. Al-Ghazali. Ok? Et le gars, Haroun Yahya, il est d'accord qu'il y a Aqidali, Wahdat al-Wujud, et l'Injia qui. L'imprensa avec qui ça n'a Ibn Arabi, comme il dit, this reality has been understood by a number of theists and or philosophers.